On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venu pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire « on vient chez vous aujourd'hui ». Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous, jeunes, de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable, tout simplement. Aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac. On ne peut pas bouger.